Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Ça va être une guidance où on va aller voir ce que ton crush pense de toi et peut-être inversement, voilà, on va voir. Et je pense qu'il y aura quelques messages supplémentaires liés à cette rencontre. Voilà. Donc, avant de commencer, je vous dis un grand merci, mes amours. Merci, merci du fond du cœur. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires, pour nos échanges quotidiens. Merci infiniment. Et merci pour toutes celles et ceux qui me partagent eh bien, des choses, notamment par mail. Et pour tous les soins que vous m'envoyez, je vous remercie infiniment. Merci de votre générosité. Et d'ailleurs, à ce propos, vous avez mon contact mail en barre de description et dans le à propos de la chaîne. Voilà, il y a des personnes, je pense, qui ne le trouvent pas parce qu'on m'écrit notamment sur Etsy. Voilà, vous avez mon contact mail en barre de description de toutes les guidances et également dans le à propos de la chaîne. Voilà, pour toutes celles et ceux qui souhaitent me contacter. Et si je mets un petit peu de temps à répondre, c'est parce que je reçois énormément de demandes. Voilà, mes amours, et ça va venir. Allez, on y va, sans plus attendre, on démarre. Tuk, 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 tuk. Ok, très bien. Allez. Donc, on va voir ton crush, là, ce qu'il ou elle ressent pour toi. Bon, tu vas tout de suite voir hein, si la guidance te concerne, puisque je sens que je vais avoir des messages assez précis. Et mes amours également, pour toutes les nouvelles et les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Toutes les guidances sur la chaîne sont intemporelles, à l'exception de certaines guidances, voilà, qui peuvent concerner un portail énergétique, une pleine lune, une nouvelle lune, et surtout le mensuel que je fais qui sort voilà, d'un mois sur l'autre et qui s'intitule The Good Vibes Diary et qui te prédit en fait eh bien, tes forces, tes super pouvoirs, ce que tu vas parvenir à transmuter sur le mois suivant. Et d'ailleurs, à ce propos, mes amours, vous avez le lien en barre de description, je vais le mettre. Et donc pour la guidance du mois d'août, The Good Vibes Diary pour le mois d'août, voilà. On est à la mi-août quand la guidance sort, même si elle est intemporelle. Si vous souhaitez aller faire un bilan, voir ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas encore produit, voilà, ça peut être intéressant. Allez, on y va, sans plus tarder. D'accord. Oh. Alors, ce que ton crush pense de toi. Là, déjà, ce que je vois, concrètement, il y a des personnes qui sont en fin de cycle. Il y a des personnes qui... Alors, il se peut que ce soit un signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Je te donne quelques chiffres ou nombres qui peuvent te parler. J'ai le 5, le 4, le 1, le 41, le 14, le 27, le 3, le 47. Concrètement, ce qu'on est en train de me montrer, là, c'est que... Oh. Bon, déjà, si tu as une question, une réponse, la réponse à ta question, c'est oui. Oh, il y a une indécision quand même. Ok, ça dépend de toi, on est en train de me dire. Ok. Bon, concrètement, par rapport à ton crush, là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il y a, voilà, une fin de cycle entre vous, peut-être un froid ou une pause, des personnes qui sont en pause. En tout cas, c'est une personne qui soit a eu le cœur brisé, soit une personne que tu rencontres au moment où tu as toi-même le cœur brisé. Je peux faire référence à une personne qui est une liaison secrète ou tu es une liaison secrète pour cette personne, ou bien alors une personne qui ne t'avoue pas ses sentiments ou à qui toi tu n'avoues pas les sentiments. Ok, bon, on est dans la relation. Il se peut que qu'il y ait le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire dans ta vie. Il se peut que tu regardes pour un ex ou une ex, ok? Alors pour certaines personnes, j'ai clairement une personne avec qui tu es amie. Ça peut être une personne de ton entourage ou ça peut être une personne qui forme une... Qui forme. Ah oui, ok, bon, j'ai des familles. D'accord. C'est peut-être une personne avec qui tu as une famille. Parce que je dis crush, mais voilà, parce que moi, pour moi, il y a un crush. Il se peut que ce soit une personne aussi que tu considères comme une âme sœur. Clairement, et qu'il n'a pas encore conscientisé possiblement.
J'ai le nouveau départ. Hein. Moi, j'ai vraiment le nouveau départ. Ok. Par contre, il va falloir de la patience. Hein. J'ai un délai de 2 mois pour certaines personnes. Ouais. Pour certaines personnes, il y a clairement une réconciliation qui est annoncée. Pour d'autres, je vois 2 énergies. Typiquement, je vois une personne qui est peut-être un ancien crush ou une personne du passé, un ex, une ex, et une nouvelle personne, donc ce crush, voilà, avec qui il va falloir être patient ou patiente, mais possiblement, il y a la possibilité d'être heureux ou heureuse ensemble. Ok. Bon, je vois clairement des personnes qui vont s'engager ou qui vont vers, en tout cas, quelque chose qui est plein d'espoir. Ok, bon, à toi de voir comment ça te parle, là c'est confus. Cette personne, ton crush, donc littéralement le crush, ok, la personne pour laquelle tu regardes précisément. Ok, bon, alors clairement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de séduction entre vous. Ok. La personne pour laquelle tu regardes, il y a vraiment beaucoup de séduction entre vous. C'est une personne, tu vois, je vois des sourires, je vois des échanges. Alors peut-être que c'est vraiment un crush, c'est le début. Vous n'en avez pas encore parlé, tu ne t'es pas, comment dire, déclaré. Ou cette personne. Mais cette personne, tu vois que tu lui plais, tu vois que tu y... Ouais, il y a quelque chose entre vous. Et j'ai carrément, carrément une histoire. Soit vous vivez une histoire ensemble, voilà, c'est l'histoire, c'est les débuts, ou alors il y a ce côté papillon dans le ventre quand tu penses à cette personne. C'est une personne, alors ça dit, ce sera différent en fonction des personnes que tu connais dans l'intimité pour certaines personnes. Donc concrètement, voilà, c'est très très chaud 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 entre vous et il y a beaucoup de plaisir. Ou alors il y a une notion de se faire plaisir en pensant à cette personne. C'est une personne que tu séduis énormément ou bien alors que tu as vraiment envie de séduire. Je pense que c'est une personne qui, voilà quoi, elle est vraiment tombée sous ton charme, clairement, tu l'as séduit. Par contre, il y a quand même une certaine méfiance à avoir dans la situation. Mais pour moi, c'est une rencontre qui est hasardeuse dans le sens où c'est une rencontre à laquelle tu ne t'attendais pas. Par contre, la personne, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté qui peut être fuyant chez cette personne. Alors évidemment, si je parle d'une personne avec qui tu es en pause, où il y a une fin de cycle, où vous êtes enfant, vous ne vous parlez plus forcément. Si c'est une nouvelle personne, voilà, il y a quand même un risque avec cette personne. Mais ce qu'on est en train de te dire, il y a quand même un risque en fait, un risque soit de fuite, soit une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. Voilà, j'annonce la couleur. Peut-être une personne qui n'est pas libre, hein, tout simplement, et tu le sais, si c'est le cas. Ouais, et en fait, on est en train de te dire en fait, lâche prise et juste laisse venir les choses, tu verras bien en fait. Voilà, c'est clairement ce qu'on est en train de te dire. Bon, on te dit également qu'il y a une réciprocité entre vous. Il y a quelque chose qui se passe et ça matche bien. Alors, j'ai certaines personnes qui possiblement se rencontrent ou ont rencontré quelqu'un. C'est un, voilà, c'est un crush. C'est déjà passé des choses entre vous ou non, mais où vous pouvez possiblement passer du bon temps ensemble sans que ça aille plus loin. Voilà, après à toi de voir comment ça parle. Ok, en tout cas, ça matche bien. Il y a de la séduction dans l'air, il y a, voilà, il y a une alchimie et c'est réciproque, si tu te posais la question. Ouais, on te dit de penser à toi, en fait, dans la situation. Voilà, c'est cool, c'est bien, mais laisse-toi porter par le flot, tu verras bien. Et on te dit que l'amour triomphe toujours. Oh, j'adore, faut toujours être dans des vibrations d'amour, ça je vous le dis, mes amours. Ouais. Ok, il peut y avoir un effet on-off ou alors tu sais pas trop sur quel pied danser avec cette personne et voilà, on te dit quand même de te méfier, de te prioriser, de t'aimer, de ne pas idéaliser non plus trop la relation. Voilà, parce que c'est une personne, je ne sais pas si elle est totalement libre ou je ne sais pas si elle est totalement réceptive ou si, voilà, tu vois. Donc on te dit laisse-toi porter par le flot, tu verras bien ce qui se passe, comment ça se passe. S'il y a des choses qui t'alertent, ok, très bien.
Mais bon, voilà. Et pour certaines personnes, il faut quand même faire attention. Si tu sens du... Cette personne, elle pourrait disparaître ou prendre la fuite ou être fuyante, en fait. Bon, c'est clairement, clairement, clairement... J'adore. Ouais. Alors, ce que j'aime beaucoup, là, par rapport à cette personne, c'est que j'ai le sentiment que tu la rencontres quand t'es vraiment à un moment de ta vie où t'es à une fin de cycle, où il y a une fin de quelque chose, où y a, tu as vécu un changement, et en fait, t'es en train de te libérer, et paf, tu rencontres cette personne qui est une rencontre par hasard, ou à un moment donné où tu t'y attendais pas du tout. Et en fait, ça te mène vraiment à une reprise de pouvoir, mais aussi à te concentrer sur toi, à ne pas t'oublier dans la situation et à te dire que, ok, en fait, voilà, tu prends ton temps, les choses prennent du temps, mais c'est hyper positif dans le sens où, même s'il y a une incertitude, tu ne sais pas si c'est réciproque, si ça va durer, etc., etc., c'est quelque chose qui te redonne goût à la vie, en fait. Et ça, c'est top. Et ça, c'est top. Et voilà, rien n'arrive par hasard et c'est censé se passer comme ça. Après, on te dit quand même, voilà, avec cette personne, si tu ressens que tu dois te protéger, protège-toi, il y a des limites à poser, tu le fais. Je te vois quand même communiquer de manière clairement, ou du moins, c'est le conseil qu'on te donne. Ok. Même si les choses prennent du temps, ça te pousse à guérir quelque chose et à venir soigner quelque chose. Ok, alors pour certaines personnes, je pense que il y a peut-être eu une période pendant laquelle c'était un peu le désert de Gobi où il n'y avait plus de sentiments, où c'était compliqué. Et en fait, cette personne vient réanimer ça et vient t'aider à soigner quelque chose. Peut-être que tu as rencontré cette personne quand tu étais à terre ou à une période vraiment difficile. Et en fait, tu t'aperçois que ton jardin peut être... peut redevenir vert à nouveau, c'est plus le... Tu sais, je vois des terres asséchées, je vois quelque chose qui est vraiment en mode... C'est le désert où c'est plus là. Et en fait, grâce à cette personne, ça vient t'apporter en fait quelque chose, ce renouveau dont tu avais besoin, auquel tu ne t'attendais pas. Et finalement, c'est une personne qui va te permettre de voir que oui, en fait, il y a de l'espoir, tu ressens des choses à nouveau, tu vois. Ah, j'adore la rencontre. Alors, cette personne pour toi, dis-moi en commentaire, j'ai hâte que vous me disiez. Mais là, je vois vraiment des personnes qui rencontrent... ouais, c'est une rencontre qui arrive au bon moment, en fait. Oh. Alors, tu vois, c'est une personne qui ne sait pas encore comment ça va se passer, ce qui va se passer exactement. Mais c'est comme si tout était possible entre vous. En fonction... de ce que vous allez, des décisions que vous allez prendre, de comment vous allez avancer. Et c'est une personne, en fait, qui a besoin de voir comment ça évolue. En revanche, c'est une personne qui voit quand même les choses en grand avec toi. Il y a une volonté de bâtir quelque chose de stable. Je pense que c'est une personne, si elle fait les choses et si vous parvenez à vous mettre d'accord et en fonction du comment vous évoluez ensemble, ça peut vraiment typiquement être une personne avec qui tu peux construire quelque chose, avec qui tu peux bâtir quelque chose. Mais voilà, pour le moment, je dirais que il y a une personne qui déjà a besoin de libérer certaines choses de son côté, voilà, ou de remettre des choses ouais, au clair dans sa vie, je pense. Peut-être une personne qui a des craintes sur ce qu'elle peut te donner, comment elle peut te le donner, ou une peur de ne pas être assez bien pour toi. Oh, Poupie, c'est mignon. Bon, on a une personne qui pense énormément à toi. Énormément. Une personne qui rêve de toi, qui pense à toi, qui se fait plaisir en pensant à toi, qui, tu vois, dans la journée, qui pense à toi. C'est voilà. Mais on a une personne qui a besoin soit de se libérer d'une vie... ou de quelque chose, ou de situation, ou de personne, ou de peur tout simplement et d'angoisse. Mais on a une personne, ok, tous les espoirs sont permis. Maintenant, voilà, il y a quand même possiblement un côté un peu fuyant chez ta personne, soit que tu connais déjà, soit que tu vas découvrir. Ok, allez, je vais prendre mon oracle, le Sexy Solaïs. Voilà, pour celles de ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un de mes oracles, j'en ai trois. Voilà, que tu retrouves sur ma boutique ici, en barre de description. Et c'est un oracle, en fait, qui te transmet, qui te donne les messages de ta personne, de la plus
romantique à la plus sexy en fait. C'est voilà, c'est pensé. Allez, pour ta personne, ton crush. Oh, je ne peux pas vivre sans toi. C'est magnifique. Bon, déjà, il y a une personne qui est vraiment accrochée, qui ne s'imagine pas en fait ne plus t'avoir dans sa vie. Ok. J'aime ta bouche. Bon, sexy. Très sexy. Alors, je te dis, je pense que vous, soit vous êtes carrément passé à l'acte et vous êtes en pleine idylle avec les papillons dans le ventre et c'est génial. C'est une personne qui aime t'embrasser, qui aime ce que tu fais avec ta bouche, qui aime, voilà, te sentir et sentir ta bouche particulièrement ou qui te trouve tout simplement beau et belle. Possiblement, c'est une personne eh bien, avec qui il ne s'est encore rien passé et qui fantasme sur toi, quoi, tout simplement. Ouais. Oh. J'aime. Alors, j'aime ton regard hypnotique, pardon, et je te trouve sexy. Tu vois. On a une personne qui adore te regarder, qui adore ton regard, qui adore vos échanges. Ça peut être le fait aussi d'être plongé dans tes yeux, dans ton regard, l'une avec l'autre, voilà, quand vous partagez des moments ou qui s'imaginent cela. Ok. On a une personne qui aime franchir les interdits avec toi, et si ça n'est pas le cas, on a une personne vraiment qui pense quoi? À déborder. Oh, j'aime nos étincelles. Je pense que vous avez beaucoup de caractère, toutes les deux ou tous les deux, et donc, paf, tu vois, ouais. J'aime ton côté rebelle. Oh, ouais, je pense que c'est une personne ouais, qui adore ta personnalité au global, quoi. Ça matche bien. Et rebelote, je rêve de toi, je te l'ai dit. On a une personne qui pense à toi la nuit, qui rêve de toi, qui pense à toi. Je vois les pensées en continu. Oh. Tu es mon obsession. Bon, on a clairement une personne qui, voilà, n'arrête pas de penser à toi, jour et nuit en fait, du matin au soir. C'est pouf. Et tu fais partie de moi. C'est trop beau. Tu sais, avec les papillons dans le ventre, j'ai une personne, en fait, tu vois, je ne peux pas vivre sans toi, tu fais partie de moi. Il y a une personne qui a besoin de toi, qui a besoin de te sentir, qui a besoin d'avoir ce contact permanent avec toi, qui t'a en elle, en fait, tu vois, et qui a ce besoin-là. Oh, et j'aime que tu sois peu farouche. Bon, ça, c'est vraiment le côté, voilà, aventureux. J'adore. Ah, c'est trop beau. J'aime le soleil que tu mets dans ma vie. C'est vraiment une personne, tu vois, par tes énergies, par ta joie de vivre, par ton... Voilà, ce que tu dégages, tu lui apportes du beau dans sa vie, en fait. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, mes amours, j'ai hâte de vous lire, hâte d'avoir votre retour sur ce crush. Voilà, vous me direz hein, quelle est la suite à donner. J'aime bien, moi, je suis les histoires. Comment te dire? Mets-moi des papillons et des étoiles, tu vois, parce que je vois vraiment les papillons dans le ventre, quoi. C'est vraiment une personne à qui tu mets des papillons dans le ventre et je sens que c'est bien réciproque. Donc, top, 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 j'adore. J'ai hâte de vous lire et j'ai hâte de voir la suite au prochain épisode. Voilà, on va voir s'il y a une continuité sur les prochains jours. Dis-moi, n'hésite pas à revenir également sur la guidance pour vous dire, bon, bah voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Top, top, top. Mes amours, je vous embrasse bien fort. J'ai passé un bon moment. C'était très fun aujourd'hui, j'ai trouvé. J'aime bien les énergies. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et voilà, je t'invite également à aller faire un tour sur la chaîne. Aller voir des guidances intemporelles, peut-être même des guidances que tu as déjà vues. Ça résonnera différemment. Ou alors à jouer avec ton intuition en disant, bon, est-ce que vous avez un message pour moi? Clac, tu fermes les yeux et tu cliques sur une guidance. Il y aura nécessairement des messages. Je t'embrasse bien fort, je te dis à très vite.